J'ai vu un reportage là, il a eu quand même pas mal de procès, il les a tous défoncés. Franchement, c'est malin, ça, il est malin, bien sûr. C'est parti, voici le scénario showbiz de Vianney. Tu sors de chez toi, tu rentres dans ta voiture, tu ouvres le coffre de ta voiture. Et là, en ouvrant le coffre, il y a un corps. Oh non. Il y a un corps dans le coffre de ta voiture. Qui vas-tu appeler à l'aide et pourquoi? Alors, tu as le choix entre Zazie, Renault ou Big Flo et Oli. Qui va venir t'aider à transporter ce corps pour peut-être aller l'enterrer dans la forêt? Zazie. Parce que, non, mais au début, je pensais Big Flo et Oli, parce que, évidemment, ça nous ferait des souvenirs et tout. Super. Mais en vrai, je pense qu'il serait pas aussi calme dans cette tempête que Zazie. Et Zazie, elle serait peut-être sage d'un coup, elle dirait attends, on va faire quelque chose. Et elle prendrait les bonnes décisions, je crois. Donc Zazie. C'est hyper flippant, t'as l'impression que Zazie a l'habitude de faire ça. Grâce à Zazie, tu as pu enterrer le corps dans la forêt. Elle a été de bons conseils pour toi. Sauf qu'elle le fait très très mal, elle a laissé des empreintes partout. Tu t'es retrouvé arrêté. Merde. Et tu te retrouves à ton procès. Tu dois choisir un avocat. Qui vas-tu choisir et pourquoi? Kenji, MC Solar ou Florent Pagny? Florent Pagny. Parce que j'ai vu un reportage là, il a eu quand même pas mal de procès, il les a tous défoncés. Franchement, c'est malin, ça, il est malin, bien sûr. On continue. Le procès a eu lieu et pourtant il a été perdu. Tu vas te retrouver en prison et tu vas devoir partager ta cellule de prison. Ça, c'est drôle. Okay. Avec qui? Mika? Ouais. Renaud? Ouais, Tiran. Allez, je dis Ed, parce que je crois que pareil, il resterait très positif, et puis on ferait plein de chansons. Ok, pendant toutes ces années de prison, tous les gens entendront. Là, ils nous font chier à la cellule 28. C'était le scénario showbiz de Vianney avec des très bons choix. Manu dans le 6-10, 6h-10h sur Énergie.